Lorsque je me lève le matin, je me dis une chose, c'est que ça me sera au moins arrivé une fois dans ma vie. C'est-à-dire que je rêvais il y a un certain temps d'avoir un album dans les mains. Et puis j'ai fait mon premier album il y a 5 ans. On cherche encore le mec qui l'a acheté. Ouais. Je tiens à lui dire d'ailleurs, s'il écoute, que s'il se dénonce, on lui donnera le prochain gratuitement. Le but étant finalement quand même de vendre suffisamment de disques pour pouvoir toujours faire le suivant. Et il se trouve qu'avec ce que ça m'apporte, ce qui vient de m'arriver, c'est que je suis sûr de pouvoir en faire au moins 2 ou 3 tranquillement. Au lieu de pouvoir en avoir un seul. C'est-à-dire que si je sais que maintenant, avec le nombre de disques que j'ai vendus pour ma maison de disques, ça leur représente un investissement intéressant, ce que je ne juge pas du tout péjorativement d'ailleurs, et ce qui fait que je vais pouvoir déconner dans les studios encore pendant 3 ans. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je sais que j'ai 3 ans, je viens de gagner 3 ans de musique tranquille. Regarde le monde, puis regarde-toi. Quand l'orage gronde, le soleil se noie. À chaque seconde, tu perdras la foi. À l'autre seconde, Dieu sera ton roi. C'est la fin du monde, il faudra t'y faire. Surtout de les ondes, c'est face à amour, face à mère. On ne refait pas l'histoire. Je veux le droit au désespoir. Chacun fait sa fronde, chacun fait sa loi. Quelques têtes tombent et l'homme a ses droits. Entre dans la ronde pour la face amour. Bois la pluie qui tombe pour la face amère. C'est la fin du monde. Donnons-nous la main. La vie. Chemin.